Are you ready? Are you ready? Fight! Here we go. Sanda, c'est la version combat du Wushu, donc le Wushu art martial chinois plus connu sous le terme générique de Kung Fu. Donc qu'est-ce que le Sanda? Donc on a du travail de pied, du travail de poing et surtout du travail de projection. Ce qui donne des combats beaucoup plus hachés, j'allais dire, dans le sens où l'échange de pied et de poing est rarement très long. D'accord, le fait qu'il y ait des saisies et des projections, ça casse un peu le rythme. Donc en termes de stratégie, de combat ça, et d'entraînement, donc derrière ça change complètement, contrairement au sport pied-poing classique que l'on connaît. Alors, le combat de Sanda, souvent on fait la différence justement sur ces projections qui sont énormément valorisées en termes de points, puisqu'une projection vaut 2 points. Contrairement aux techniques de pied ou de poing qui en général valent 1 point plus souvent, et les sorties de plateforme, puisque si on sort son adversaire 2 fois de la plateforme, on gagne le round et on peut réitérer ensuite sur le deuxième round pour gagner le combat. On peut aussi gagner par KO. Il y a une possibilité de gagner par KO sur une percussion. Mais comme on le sait, le KO, c'est extrêmement difficile d'aller chercher un KO, qu'on peut plus facilement chercher une projection et une sortie de plateforme. Alors, moi, pour moi, les arts martiaux, en l'occurrence là, ça reste un jeu. Il y a des rails, bien sûr, avec des protections, casque, plastron, coquille, protège-dents et gants, bien sûr. Alors là, nous allons prendre l'avion pour partir en carré, disputer les championnats du monde durant la semaine. Donc en espérant amener un maximum de médailles pour faire briller les couleurs de la France. Parler maintenant, cérémonie d'ouverture, c'est demain 20h à l'Arena, défilé, les pancartes et compagnie, et puis dès que c'est fini, pile poil, retour à la base. On reste pas à commencer à prendre des photos, à sympathiser avec tout le monde. Vous sympathiserez quand vous les aurez gagnés. Hein, on se connaît, on vous craint un peu, alors on vient faire copain. Ah, comment ça va, super, voilà, pour essayer de vous endormir un peu. Hein, puis après, inconsciemment, vous montez en face sur le tapis pour le Sanda, et putain, il vous a dit bonjour hier. Non. Il n'y a pas de copain, rien. Vous êtes distant, vous êtes fatigué et hop, et basta, tout le monde rentre à la maison. Entendu? Bonne nuit. Allez. Là, effectivement, là, c'est, je suis le premier à passer ce matin. Donc, je rencontre un Grec. Donc, je ne connais pas. Bah, j'y vais confiant, mais je ne sous-estime pas mon adversaire. Voilà, j'y vais pour gagner en tout cas. Et dans ma tête, je pars en champion. Quoi. Là je combat dans on va dire les 3 quarts d'heure. Donc là je combat le Grec. Vu, j'ai pu un peu l'apercevoir. C'est largement jouable. Maintenant après il faut pas que je sous-estime. Donc là je vais commencer à m'échauffer tranquillement.
pour rentrer dans le combat, m'isoler un petit peu. Et après, bah, c'est parti quoi. On va aller à la guerre. On suit tout de suite. Allez, allez. Voilà. Ok. Tu te jettes pas, tu en fais pas ça. Plus. L'ouverture, elle est en bas et en haut. Allez. Ouais. Voilà. Allez, allez. Le premier. Ouais, voilà, encore. Voilà. Tu suis derrière, Ouais. Voilà. Joue pas ça, voilà, boum. Voilà, tu l'as touché. Là, il y a une ouverture. Voilà, ferme. Voilà, tu vois, il passe le crochet gauche. Le crochet gauche, il passe. Allez, je suis derrière. Ça y est, chaos technique. C'est bon. Le crochet, il passe à chaque fois. C'est bon. On va dire que je suis content de ma victoire, mais bon, c'est pas fini encore, donc je reste concentré et tout ça. Et je pense que je vais combattre demain pour mon deuxième combat. Quoi. Alors le bilan de la journée d'hier, c'est 5 combattants, 4 victoires et 1 défaite. On retourne ce matin pour le deuxième tour d'Anthony Lim et de Pierre Moy. Voilà, on est lancé là, c'est le matin, l'après-midi et le soir, donc là ça va être lancé, les filles vont entrer en jeu, les lourds aussi. Donc là on va avoir 2-3 jours assez tendus, assez difficiles. Là. Pour moi, le Taolu, c'est la deuxième partie complémentaire au Sanda, dans le Kung Fu, dans le Wushu maintenant. C'est une partie, enfin en compétition, c'est quelque chose où on ne laisse pas place au hasard. Ce sont des chorégraphies où toutes les techniques, toutes les acrobaties, les difficultés sont codifiées, notées avec une extrême précision au centième de point près. On exécute pendant 1 minute 20 un combat imaginaire avec des mouvements, des attaques, des défenses, des positions traditionnelles assez basses. Pour moi, vraiment le Taolu, c'est la base du Kung Fu. Passer par là, c'est vraiment indispensable. En baissant mes positions, baissant mon centre de gravité, on retrouve toujours ces positions traditionnelles dans la lutte au Sanda. Que ce soit en Mapu, Gumpu et toutes les positions qui suivent. En déplacement, toujours en mouvement, d'accord. Je frappe dans l'axe, d'accord. Je décale pour le latéral et la sortie derrière. Sanction ton bras avant. Voilà. Voilà. Oui, ouais, Sarah, oui. Bloc. Allez. Bloc. Bloc. Voilà. Tu vas, jette, pomme. Allez Sarah, allez, kick. Pousse là. Ouais, super. C'est ça, Sarah. Allez Sarah, ta box, stop. Tu prends ton temps, ta box, voilà. Jette. Là, la barre venir. Tourne, pousse là. Allez, tu la sors. Voilà. Ouais, voilà. Allez, kick sur ma main. Kick. Ouais, kick encore. Pousse là. Kick. Reprends le centre, Sarah, tout de suite. Et hop, c'est rien. Sors, Sarah. Voilà, toi, bras, ouais. Ouais. Ok, tu te jettes pas, tu fais pas plus compliqué. Ton bras avant, il va se jeter. Et quand elle arrive, regarde, quand tes dos là, tu tournes pour la mettre au bord. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Et quand on te dit, tu la pousses. Pas avant, tu penses pas avant.
Toi, tu t'occupes de faire ton travail, ton point, ton direct, tes looks qui combat, ton tête saisie, tes looks qui combat. Voilà. Tu penses, on s'en fiche. D'accord? Tu ne penses qu'à ça au travail. Mais je suis pas un peu trop sur elle là. Tu es très bien, super, tu gardes super, ça. C'est elle qui vient sur toi et tu lui mets. Et quand tu l'as, t'as tes kicks que tu mets, c'est très bien. C'est très bien ça. Tu gardes ça. Tu reprends très bien. D'accord, et dis son. Et tu reprends, toujours mobile, tu es mobile comme ça. Tu bouges. D'accord Sarah? Ouais. Allez Sarah, allez. C'est toi, c'est ton combat. Allez. Sarah. Allez. On va le jeter, voilà. Boum. Allez Sarah, allez, allez, allez. Kick, voilà, kick encore. Voilà, voilà, Sarah. Allez Sarah, Sarah, Sarah. Kick. C'est pas grave, t'as le sang dedans. Tu attends qu'elle vient, tu attends qu'elle vient. Attends, voilà. 40. Kick, kick, kick. Voilà. Non, non. Kick. C'est pas grave Sarah, debout. On va venir. Attends Sarah, reste pas dans le coin. Reste pas dans le coin. Sarah, Sarah, Sarah. Kick. Et Sarah, toujours le sang. Sarah. Voilà, bien. Envoie tes points d'abord. Allez, avance, ça va tes points. Allez, 2 secondes, Sarah. Allez, allez, Sarah. Ouais. Jump, Sarah, jump. Super, super. Allez, on n'a pas fini, hein? Non, on n'a pas fini. Super. Ouais, maintenant, c'est que tout bonheur. Que du bonheur. Je réalise pas trop, mais je suis contente. J'ai gagné. c'est un peu dur d'exprimer, mais je me suis battue jusqu'au bout et ça a payé. Et donc, je suis heureuse. Et après, quand je vais redescendre, je vais pouvoir analyser ce que j'ai fait. Mais là, tout de suite, je suis juste heureuse. Et on va enchaîner sur la suite parce qu'il faut grimper les marches. Voilà. Là j'ai combattu le Philippin, ça va, il était bon. Il avait vraiment le style de combattant asiatique, donc je suis content d'avoir gagné. Et donc là c'est une médaille déjà assurée pour la France. Demain on va aller chercher l'argent avec Pierrot et puis les autres combattants et combattantes qui suivent derrière quoi. Donc voilà, et petite dédicace pour ma petite sœur, donc cette médaille déjà elle est pour ma petite sœur, voilà. Les points dans la figure pour mettre ton kick derrière. D'accord? Donc tu l'as fait déclencher après, bam 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 bam, tu la bouchonnes. Ça passe. D'accord? Ça passe, faut que tu le mettes dégnant dans la mèche. Tu décales, voilà. Boum, dans d'accord passe, on tient, donc les points et ensuite décaler, les pieds passent. Allez, précis au point, on va faire des jambes. Tout en route, ça va. Allez, Sarah, allez, allez, c'est pour toi. Allez, 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 allez. C'est bon.
Allez, Sarah, allez, allez, tu décales. Tu vas, Sarah. Ta droite, faut qu'elle passe avant qu'elle rentre. Qui? Allez, droite, faut qu'elle passe avant qu'elle rentre. La pression, Sarah. Allez, ah, voilà. Allez, allez, allez. Qui? C'est bon. C'est pas grave, Sarah. Oh. Allez, maintenant, tu donnes tout, Sarah. Allez, allez, Sarah. Un coup de pied à la tête. Allez, allez, Sarah. Je sais, allez. Voilà. Qui? C'est bon. Pas de regret, ça, pas de regret, c'est très bien, tu t'excuses pas. Allez. Alors mon combat en demi-finale, j'ai pas su trouver la vraie solution, la vraie clé pour arriver à gagner mes rounds. Du coup, c'est ce que je disais, en cherchant la solution, même si j'écoutais le coaching, j'arrivais pas à placer mes coups correctement pour que ça porte ses fruits. Et du coup, en cherchant, elle avançait dans le combat et elle gagnait des points. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai pas de blessure. Je me suis donnée jusqu'au bout. À la fin, j'essayais de donner la touche qui faisait mal parce qu'on était aux dernières secondes. Je l'ai pas trouvée. Mais je reviendrai pour leur montrer. Mon adversaire m'a donné sa veste. C'est un échange. Quand on a aimé un combat, quand on a partagé un bon moment sur le ring, voilà, elle m'a dit reviens, entraîne-toi, reviens, t'es jeune, et elle m'a dit reviens, il y a moyen d'y arriver, donc voilà, on s'est salué toutes les deux. Ok, okay. Thank you. Okay. Bye bye. Bye. See you. Le bilan aujourd'hui, nous avions au programme deux demi-finales féminines. Et cet après-midi, ce soir, prévu deux demi-finales masculines. Pour ce qui est des féminines, on n'est pas passé. Sarah Bellala s'est inclinée ainsi que Valérie Domergue. Donc ça s'est joué, pas grand-chose. On sent que derrière, il y a du travail. Pour le cas, là, on va tomber contre les Turcs, d'où le bonnet. Donc France-Turc ce soir, avec deux combats à suivre, deux Français, avec Anthony Lim et Pierre Moir. Et là, on veut vraiment aller chercher la finale. Et là, on les sent vraiment décidés pour aller chercher la finale. Donc, rendez-vous dans quelques heures à 20h à Ankara pour voir les deux demi-finales France-Turquie. Voilà. Là, je combats contre le Turc. Il attend en fait, il fait déclencher, il saisit et met au sol. Il a une bonne boxe, pied-point, une bonne lutte, une bonne condition. Enfin bon, c'est un bon combattant, quoi. Nous, on a le supporter aussi avec nous, donc... J'espère qu'ils seront derrière nous. Voilà, maintenant il ne faut plus qu'on gagne pour pouvoir aller en finale derrière. Voilà. Tu vois que c'est bon. Allez, lève bien les bras, allez bien, bien, bien devant. Hein. 30 secondes, t'es direct. Allez, allez, allez. Jambes avant, en direct des jambes avant.
Voilà, qui tient encore? Ouais, ouais, ouais. Tu joues à la fin, et quand tu vois que tu veux rentrer saisir, ta droite elle passe derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais sans te jeter à distance, sans avancer, fin, boum, 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 d'accord? Tu joues 1, 2, 3, et tu varies, tac, 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 boum, d'accord? Ta droite elle est passée avant. Allez, Anthony, allez! Allez, Anthony, allez, allez, allez! De suite, Anthony! Allez, voilà! Allez, Anthony, ouais, 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 Anthony. C'est bien. Allez, allez, direct avec ton poing. Allez, 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 ouais, ouais, ouais. Allez, Anthony, on va allez, chercher, tu reprends, on y va. Allez, tu reprends. Une minute. Allez, Anthony. Anthony, sors l'équipe derrière, sors l'équipe derrière, vas-y. Mais là, continue. On doit toujours, ouais. Défaite contre le Turc en demi-finale. Alors défaite parce que je pense que j'ai pas trouvé la bonne stratégie contrairement à lui. Donc style de combattant similaire à moi en fait. Et il attend, et il cherche à faire déclencher. Et après il lutte derrière pour saisir, projeter. Je pense que j'aurais dû lui mettre plus de pression, surtout avec mes poings, ça marchait. Pour le désorganiser. Le faire déclencher et puis le projeter, lutter pour pouvoir le mettre au sol. Donc je suis déçu parce que médaille de bronze quoi, mais moi c'est pas la médaille de bronze que je veux quoi, c'est la médaille d'or. Franchement les Turcs sont sympas, ils ont fait les choses bien. Bon esprit aussi, il n'y a pas eu de... On est bien resté dans l'esprit du Wushu et c'est bonne ambiance quoi. Il n'y a pas de mauvaises choses quoi. Donc ça c'est plaisant. Et sinon pour l'équipe, moi j'ai bien aimé l'équipe, l'encadrement, tout ça. Je trouve qu'on est une bonne équipe et j'espère que ça va continuer comme ça quoi. On sera de plus en plus soudés et puis qu'on va décrocher plein de médailles d'or quoi. Voilà. C'est positif. Voilà, je suis content, nous sommes contents, on a atteint nos objectifs. Donc pour ça, je remercie toute l'équipe, gagnant comme perdant. Les médaillés qui n'ont pas réussi à se placer en finale, vous êtes déçus, vous êtes frustrés, eh bien c'est la même chose pour nous. Je ne veux pas voir des combattants Sanda, de l'équipe d'ici, hein, gagnant, je mets tout le monde dans le même panier. Je ne veux pas voir des combattants Sanda qui comptent les points. Moi, je vous demande d'avoir l'esprit traditionnel et d'être efficace. Efficace. Ça tombe. Terminé. Ça peut être projeté, sorti de plateforme. Vous vous débrouillez, vous êtes efficace. Moins vous passez de temps sur la plateforme, et plus on sera content. Vous avez les médaillés, vous avez les droits des primes. 300 euros par contre, va gagner, 500 euros. Et 500 euros pour la médaille de bronze. Donc c'est bien parce que personne m'en a parlé pendant toute la compétition. Et on n'a pas eu à vous parler de ça. Donc voilà, en conclusion, n'oubliez pas que même si on habille en civil, on est l'équipe de France. Pendant le trajet, si vous avez un aparté besoin de discuter avec nous, n'hésitez pas, venez parler. Ça c'est hyper important. Donc merci à vous et merci à mon solide encadrement. Merci. Bah déjà j'ai pu constater mon niveau, j'ai progressé.
mais qu'il me reste encore beaucoup à travailler, donc voilà. Moi par rapport à... Je regarde par rapport à Toronto, là je pars avec une médaille, bon médaille de bronze, mais bon quand même. Donc il y a une petite progression. Maintenant, faut pas s'arrêter là, quoi, comme on a dit. Il faut aller chercher l'or, donc j'espère que pour les Europes, il y aura l'or. Yeah.